Partira pas, des rumeurs font état d'une démission imminente de Silvio Berlusconi, des rumeurs à prendre avec précaution puisqu'elles émanent de deux journaux proches du Cavaliere. La réaction des marchés ne s'est pas fait attendre. À cette nouvelle, la bourse de Milan a brusquement grimpé à la mi-journée. Mais quand le chef du gouvernement italien a démenti les rumeurs, la bourse a ralenti à nouveau. La situation est extrêmement volatile. Berlusconi est sous la pression des marchés et de plusieurs membres de son propre parti. Il y a une rébellion dans ses rangs. Ils veulent qu'il démissionne. Silvio Berlusconi affronte demain un vote test sur l'approbation du bilan 2010 de l'État italien. Il se soumettra dans les jours à venir à un autre vote, un vote de confiance au Sénat sur les mesures d'austérité promises à l'Union européenne. Son parti, le PDL, fait face à une série de défections. Soit le PDL parvient à serrer les rangs en mettant de côté toutes les querelles, car tous les jours nous avons des polémiques à l'intérieur du PDL, des gens qui s'accusent mutuellement, soit nous devons reconnaître qu'il n'y a plus de majorité. Comme le ministre de l'Intérieur, plusieurs ténors du gouvernement admettent qu'il y a des problèmes avec la majorité au Parlement, une instabilité du pouvoir dans une Italie fragile qui inquiète l'Union européenne.